Monsieur Rachid Blade, bonjour. Bonjour Souila. Alors feu vert pour l'ouverture du capital à hauteur de 30 des deux banques publiques CPA et la BDL. Cette décision s'inscrit-elle aujourd'hui dans la perspective de modernisation de notre système bancaire, puisque déjà cette annonce du président de la République l'année 2024 sera l'année de la réforme profonde de notre système bancaire, Monsieur Blade. Euh, merci pour la question Souila. Effectivement, hein, la L'ouverture du capital de, du CPI et de la BDL rentre dans le, le cadre de la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance de l'économie. Euh, le programme de M. Président de la République, effectivement, prévoit plusieurs actions portant sur la réforme financière en général, mais la réforme bancaire et en particulier. Donc, c'est à ce titre, effectivement, que qu'il a été décidé de l'ouverture du capital du CPI et de la BDL. Euh, les objectifs, bien sûr, euh, à travers cette ouverture étant d'améliorer l'efficacité du management de la banque euh, ou des banques, puisqu'il s'agit de deux en fait aujourd'hui. Euh, renforcer, bien sûr, la gouvernance euh, à travers euh, son nouveau statut d'entreprise faisant appel à, à public à l'épargne. Euh, soumise aux obligations, bien sûr, euh, quand on est coté en bourse, on est soumis aux obligations de divulgation de l'information au public. Euh, là, va, ça va en même temps contribuer à, à la création d'un climat de confiance des investisseurs envers le marché par l'apport la, par d'une banque euh, jouissant d'une santé financière appréciable. Donc, les banques euh, vont. C'est quand même un, un indicateur important que de dire on introduit en, en bourse deux banques euh, dans un premier temps. Euh, les banques étant déjà un acteur euh, dans le financement donc de, de l'économie euh, puisque les opérateurs économiques et, et, et les clients euh, peuvent s'adresser à la fois soit à la banque pour investir, euh, donc pour demander un financement, ou au marché financier. Donc c'est vraiment euh, une, quelque chose qui va apporter un plus, y compris pour dynamiser le marché financier existant, puisque euh, on assiste carrément à une, une sécheresse en matière d'introduction de, de, en bourse, puisque seules six entreprises ont été introduites en bourse euh, jusque-là, avec des euh, avec des montants qui euh, ne sont pas importants euh, la plus importante étant euh, qui remonte à 2016 euh, avec à peine 6 milliards de dinars donc c'est vraiment un signal fort pour dire que on ouvre le capital de deux banques euh, des acteurs importants sur le marché qui sont en même temps euh, vecteurs de, de la croissance économique à travers leur soutien aux opérateurs aux, aux clients ça va permettre en même temps d'asseoir cette concurrence dans le communiqué, du Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République, a insisté sur euh, la, cette concurrence qui sera créée, qui sera bénéfique pour les clientèles des banques. Mais justement, par rapport euh, au Conseil des ministres, qui a bien sûr adopté cette disposition, le dossier ficelé avalisé par le Conseil des ministres hier, qu'est-ce qu'il comprend en termes d'ouverture du capital des deux banques, à savoir CPA et la BL Monsieur belaïd? Euh, L'ouverture du capital, ça va être la cession euh, d'actions euh, du CPA et de la BDL à hauteur de 30%. Donc, euh, euh, avec un montant quand même euh, important. Euh, et, et ça sera euh, une ouverture euh, au grand public. Euh, le grand public, ça peut être les particuliers, vous et moi. Ça peut être les institutionnels, je cite les compagnies d'assurance. Ça peut être les, 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 les opérateurs économiques, les commerçants, les... Euh, et puis euh, voilà, c'est vraiment. C'est ouvert grand aussi public. au capital étranger euh, C'est vraiment locaux uniquement. Alors euh, vous parlez bien sûr de 30% d'ouverture du capital, un montant appréciable et important. Quel est son volume par rapport à ce montant La qui est... première tranche euh, début janvier sera autour de 50 milliards de d'inars. Vous voyez bien que c'est carrément. Pour les deux banques euh, On commence par le CPA. Mmh. Le CPA à partir de janvier, 50, 50 milliards euh, dans un premier temps c'est quand même euh, huit fois euh, le montant de la dernière entreprise qui a été cotée en bourse en 2016. Donc, euh, euh, suivront après, euh, éventuellement, euh, ça se fera soit en une seule fois ou en plusieurs, en plusieurs, en plusieurs étapes dans un délai euh, maximum de 12 mois. Donc, euh, là, c'est vraiment euh, flexible puisque l'autorisation de, de la COSOB euh, à partir de la première ouverture, c'est... Vous avez 12 mois pour compléter par d'autres ouvertures successives. Euh, C'est quand même important euh, de, de le souligner. C'est vraiment une opération la plus importante depuis euh, le, le début de, de, de l'ouverture de, de, de la Bourse d'Alger et, et du marché financier en Algérie. Pour la BDL, le montant qui va être bien sûr ouvert à la session 30 euh, une fois l'évaluation terminée, qui est en cours, donc au niveau de par un, un bureau d'études qui a été engagé par la banque. Euh, ça va être aussi un montant euh, important qui sera mis sur le marché. Mais pourquoi le choix particulièrement de ces deux banques, euh, Monsieur euh, Belaid Pourquoi pas les autres également Ou est-ce que les autres vont suivre euh, cette opération plus tard Là, je, Le choix de ces deux banques, le CPA d'abord, puisque le CPA déjà, il y a eu une première tentative euh, il y a plusieurs années euh, pour son ouverture qui n'a pas abouti. Donc c'est une banque qui a été assainie préparé qui connaît un petit peu toute la procédure c'est une banque qui a un portefeuille diversifié donc et qui c'est une banque de la Pme de des entreprises euh, privées et, et, et donc voilà c'est le choix euh, sa santé financière appréciable la même chose pour la bdL qui est une banque de la Pme de donc du privé principalement de taille moyenne qui permettront de ça permettra de commencer avec ces deux banques euh, peut-être que d'autres suivront mais euh, c'est déjà un signal fort que de mettre euh, sur le marché financier euh, donc des, des acteurs importants euh, qui sont en même temps euh, qui financent de l'autre côté, hein, j'allais dire, qui sont, allez en termes simples, euh, j'allais dire, soit concurrents ou qui se complètent pour, pour, pour créer de la valeur ajoutée, et de la croissance dans notre pays. Alors euh, bien sûr, ce dossier a été euh, avalisé hier lors du Conseil des ministres. Le choix s'est porté sur un, un montant ou un pourcentage équivalent à 30 pourquoi 30% particulièrement Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être ouvrir le capital à hauteur de 50% ou même peut-être 40% Pourquoi car seulement 30% aujourd'hui, euh, Monsieur euh, Belaïd Est-ce qu'on est toujours dans une sorte de frilosité par rapport à la réaction du marché Même si euh, les banques, c'est mmh. rentable. Hein uh, frilosité, non. Uh, mmh. C'est des orientations, c'est des études qui ont été faites et puis uh, 30% uh, démontrent clairement... Que les objectifs stratégiques du CBA sur l'horizon 2024-2029 sont atteignables, sans nécessité de fonds propres supplémentaires en dehors de de, de l'injection ou de ou de, ou de, ou ou de, euh, des réserves générées par les résultats futurs. Donc euh, les, oui, résultats, mais les banques ont toujours besoin de fonds. Mais les banques ont besoin toujours de fonds. Euh, ont besoin de fonds. On est toujours dans le même niveau de capital euh, et on ouvre au privé, l'objectif étant euh, la banque a une solidité financière appréciable, a des capacités de financement et d'accompagnement qui sont appréciables. L'introduction en bourse, l'objectif étant de, de de permettre à d'autres actionnaires d'être dans le dans le dans le, dans le, dans le, le conseil d'administration, euh, d'améliorer la gouvernance, d'aller sur la gestion moderne sur laquelle M. le Président de la République a beaucoup insisté. Hier, lors du Conseil des ministres. Mais justement, par rapport à cette modernisation de notre système bancaire aujourd'hui, qualifiée quasiment d'archaïque par certains experts, par le passé, notamment au niveau de certaines instances internationales, comme souvent il a été pointé du doigt par le FMI et la Banque mondiale, il est souvent aussi décrié par les opérateurs économiques, considéré comme étant un frein à l'investissement. Que comprend aujourd'hui de façon concrète cette modernisation de notre système bancaire pour l'arrimer au standard international? de ce qui se fait euh, à travers le monde. Aujourd'hui, euh, M. Belaïda. Bien, j'allais dire la, la modernisation des, des banques, c'est vraiment euh, rentrer un petit peu dans, dans ce que j'avais dit tout à fait au départ, qui est la, la réforme de la, euh, du, du secteur bancaire. Et la modernisation a, a déjà commencé depuis quelques années. Euh, puisque les banques euh, conformément aux orientations donc de l'actionnaire du pouvoir public mais pas seulement hein, les banques évoluent dans un marché concurrentiel puisque le marché contient aujourd'hui six banques publiques et, et quand même euh, sept banques publiques j'allais dire puisque euh, la banque de l'habitat est venue se, 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 se joindre à, à, à nous en tant que membre de notre association aussi euh, des banques étrangères qui sont installées donc les banques euh, ont commencé depuis déjà quelque temps sur la, leur, le, le chantier de la modernisation, qui est suivi, je précise, par M. le ministre des Finances à travers des réunions périodiques pour faire le point, premièrement, sur un volet important qui est celui de l'implémentation la, 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 de nouveaux systèmes d'information. Donc, il euh, y, y a au moins deux, trois banques qui sont sur le. Il y a trois banques, deux banques qui ont implémenté de nouveaux systèmes d'information d'autres qui sont sur des projets de. D'acquisition de, de nouveaux systèmes d'information centralisés qui permettent à la fois d'orienter euh, clients, hein, c'est quand même important de le dire, hein, que ce ne sont pas des systèmes d'information générateurs d'écriture comptable, vraiment orientés clients pour répondre au mieux euh, à leur clientèle avec une panoplie de produits, euh, travail sur la digitalisation, sur l'avènement la, d'un de, 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 certain nombre de. Euh, d'aspects qui sont la, la certification électronique, la protection des données personnelles, a, a permis aux banques aujourd'hui de commencer à travailler sur les chantiers d'ouverture de comptes à distance, sur la demande de crédit à distance, euh, l'objectif étant de toucher le maximum de citoyens euh, là où ils sont avec la technologie qui le permet aujourd'hui. Diversifier le, premier, le portefeuille client. Vraiment diversifier le portefeuille client, innover, parce que quand on est seul sur le marché, on peut se permettre de, de faire ce qu'on veut. Quand il y a la concurrence, on est bousculé, on est obligé d'aller de l'avant. Nous ne percevons pas honnêtement, euh, comme vous l'avez dit, euh, les critiques qui nous sont euh, faites concernant euh, un certain nombre d'insuffisances. Nous sommes conscients. Ça nous permet de, vraiment d'avancer et d'ouvrir les yeux pour dire euh, un client qui se plaint est, est un client qui, qui, qui reste fidèle. Parce que celui qui ne se plaint pas, il part et il peut prendre des dizaines avec lui. Donc, euh, nous ne faisons pas exprès non plus pour que les clients se plaignent, mais nous prenons en charge leurs doléances. Les, dans, les, dans les réunions périodiques que nous tenons avec M. le ministre des Finances, il insiste beaucoup sur la qualité de service, sur l'amélioration de la qualité de service, sur l'accueil de la clientèle. Le deuxième chantier qui est celui du développement raison pour réserver, pour être présent euh, dans les coins les plus reculés, euh, y compris dans les nouvelles 10 wilayas, il y a des banques qui commencent à s'installer au niveau de ces wilayas. Bien sûr, toute la digitalisation permet de toucher le maximum de clients. La nouvelle organisation et les espaces aménagés au niveau des agences avec un front et un back office, avec des chargés de clientèle, particuliers et entreprises, avec l'introduction de plus en plus de l'activité conseil pour répondre au mieux à la doléance des clients, à leurs besoins pour pouvoir le, leur vendre. On est vraiment en phase de, depuis déjà quelques temps de passer de ce qu'on appelle... De rendre un service à, à vendre un service. Aujourd'hui, depuis, depuis quelques temps, on vend des services et entre les deux mots, il n'y a qu'une lettre qui change, mais il y a tout un état d'esprit qu'il qu faut changer. Entre rendre et vendre, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Donc, mais, on travaille un peu sur tout ça pour améliorer tout ce qui se fait à travers la formation également, puisqu'il faut le dire, la formation est un volet important dans le domaine bancaire, C'est ce n'est pas n'importe quel métier. Euh, les banques ont investi dans deux instituts interbancaires de formation. Il y a des formations diplômantes et qualifiantes, en plus de deux grandes écoles qui forment des, des, des managers au niveau des banques, euh, ici, en, ici en Algérie et en Tunisie. Donc c'est vraiment une, une nouvelle dynamique. Euh, et puis euh, sur toute la partie paiement électronique, euh, le chantier du, du mobile... Euh, etc, etc. J'allais vous poser la question, est-ce que la ça... monétique est une partie prenante aussi de cette modernisation de notre système euh, bancaire aujourd'hui, puisque euh, ce n'est pas encore totalement généralisé Le président l'a précisé, l'année 2024 sera l'année un peu euh, de la modernisation et de la performance de notre système euh, bancaire aujourd'hui. Est-ce que cela se entend qu'on va généraliser notre système de monétique le paiement monique par euh, carte, voilà. Oui, pour euh, éradiquer l'informel, qui devient euh, une véritable menace aujourd'hui pour le pays. Oui. Euh, Parce qu'il y a cette double euh, parité entre la valeur du dinar et celle oui, du marché informel. Oui. Je précise d'abord qu'au euh, niveau du ministère des Finances, euh, il y a un comité de pilotage présidé par M. le ministre et qui périodiquement se réunit pour faire le point sur le développement du paiement électronique, sur la monétique, oh, sur on la en est digitalisation. Où on en est où euh, On avance. On a une société interbancaire qui a été créée qui la sera... Satim. Euh, pas la SATIM, c'est la SSB, la société de services mmh. bancaires qui est filiale de six banques publiques mmh. avec un capital de 300 millions de dinars et qui, elle, a en charge aujourd'hui l'installation des TPO auprès des commerçants. Donc c'est vraiment euh, euh, un investissement important qui a été fait par les banques. Euh, Là... La fabrication des cartes par l'Algérie par Poste pour le compte de, de, donc des banques. Euh, et puis, toute la modernisation, ou tout le travail qui se fait uh, en termes de digitalisation. Et, les, nous avons aujourd'hui uh, quand même un nombre important uh, de de disons de web marchands qui sont agréés uh, directement au niveau du géomonétique. Donc, on n'est plus sur l'étape d'aller jusqu'à la Banque d'Algérie pour agréer un, un web marchand. C'est quand même... Uh, euh, vraiment, le géomonétique joue ce rôle avec, euh, bien sûr, l'aide de, de nos amis de la Banque d'Algérie. Donc, c'est tous ces chantiers-là qui sont lancés avec un suivi périodique et des objectifs euh, euh, par banque en, en matière d'installation de TPE, de dotation de la clientèle de cartes, euh, vraiment des objectifs commerciaux qui sont déclinés jusqu'au niveau des agences pour aller de l'avant sur, sur tous ces aspects. -là. Alors, euh, Monsieur Rachid Beleid, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question éminemment importante l'ouverture du capital, c'est une première, comme il y a eu précédemment aussi l'externalisation de deux banques au niveau du continent africain, bien sûr suivra par la suite le continent euh, européen, avec bien sûr l'installation d'une banque, de euh, la BEA au niveau euh, de la France. Euh, le dossier est en cours d'examen. Et d'études actuellement. Est-ce que cette modernisation va permettre une meilleure dynamisation pour le financement également de l'investissement et de l'économie, puisque concomitamment, tout se met en marche en même temps euh, Merci pour la question. Le Code de l'investissement, la loi sur le foncier, même si elle a été ajournée, mais elle sera certainement euh, étudiée. Et le président de la République a beaucoup insisté ces derniers temps sur la cadence euh, qu'on doit donner aujourd'hui aux investissements. Euh, merci pour la question. Effectivement, hein, les, les banques ne peuvent pas être en marge de toute cette dynamique euh, aujourd'hui. Hein, donc, le, la, la nouvelle loi, effectivement, sur l'investissement, qui euh, présente des avantages très importants en matière d'incitation fiscale, douanière, etc., euh, ceci ne pourra rendre les projets que plus rentables euh, du point de vue à la fois de l'investisseur et du banquier. Donc, tous ceux qui se présenteront euh, au niveau des banques euh, se feront accompagner, bien sûr. Les banques ne peuvent pas rester en marge, encore une fois. De cette dynamique, c'est elles ont un rôle à jouer, elles le joueront, elles sont en train de le jouer, elles le joueront davantage en s'inscrivant dans cette dynamique et dans le cadre de ces orientations donc des pouvoirs publics. Quel est le volume de euh, financement de l'investissement au jour d'aujourd'hui, Monsieur belaïd Est-ce qu'on a des indicateurs? C'est ce qui permettra de comprendre qu'il y a une relance effective de l'investissement et de l'économie. Bien, merci pour la question. Donc, euh, en matière d'investissement, les chiffres au 30 juin 2023 donnent euh, donc le cumul de tout ce qui a été financé jusque-là. Euh, pour le secteur privé, 4, plus de 4 000 milliards de dinars, euh, donc 4, 000, 4 millions euh, 311 891 millions de dinars. Donc, c'est vraiment euh, euh, et pour le secteur plus privé plus de euh, 3 000 milliards, donc et 4 000 milliards pour le secteur privé. Donc vous voyez qu'on accompagne de plus en plus plutôt le secteur privé que le public, puisqu'on est dans une logique de 51% pour le privé et, 41 et 49% pour le, pour le privé. Et c'est des entreprises algériennes Et c'est des entreprises algériennes, entreprises surtout de droit algérien, parce qu'il peut y avoir aussi des étrangers qui sont ici, qui se sont installés et qui ont créé leur entreprise et qui se font accompagner par le système bancaire. Ça c'est pour la partie investissement. Vous savez, quand vous financez l'investissement, euh, c'est important aussi de pouvoir accompagner euh, ce même investisseur une fois qu'il entre en exploitation. Donc en matière de financement de l'exploitation aussi, des montants quand même assez importants, euh, à la fois pour le secteur public et privé, puisque c'est plus de 1 000 milliards d'accompagnement de, de, pour le privé, 1 000 milliards 600 et, et euh, un peu plus de 2 milliards pour euh, un peu plus de 1 milliard 100 aussi pour les entreprises publiques donc ça c'est en dehors d'une autre activité qui est la promotion immobilière qui euh, connaît quand même un financement assez conséquent et du financement des particuliers euh, notamment pour les crédits immobiliers qui, qui où les banques ont accordé plus de 1000 milliards de dinars euh, de crédits pour les gens qui veulent acheter un logement l'aménager construire euh, donc tout ça c'est vraiment des chiffres que je vous donne au de joie, Les banques continueront de le faire. Le, le nouveau code des investissements, l'accès aux foncier, donc, euh, drainera certainement plus de demandeurs sur le, sur le, vers le secteur bancaire qui joue aujourd'hui d'une capacité euh, financière pour accompagner ces investisseurs, qui travaillent sur tous les aspects de modernisation dont j'avais parlé euh, et qui permet de répondre dans les meilleurs délais à la demande de ses clients. Pour les accompagner à la fois dans leur phase d'investissement et la phase d'exploitation. Mais euh, est-ce que la viabilité aujourd'hui euh, de nos euh, banques euh, publiques permettra également le financement à hauteur, par exemple, de 100% des investissements futurs qui seront euh, réalisés dans notre pays une fois bien sûr que le foncier aura été libéré, euh, que euh, ces investissements entrent également en vigueur puisque aujourd'hui au niveau de l'API, on parle de pratiquement 700 projets qui sont en attente euh, de euh, réalisation. Monsieur euh, euh, les capacités les des banques aujourd'hui euh, permettent effectivement d'accompagner les, les, les investisseurs. Leur portefeuille, il est leur de quelle hauteur Leur portefeuille, quand une banque, il y a des, des façons de faire, quand une banque ne peut pas accompagner seule un investisseur parce qu'il y a des règles prudentielles, elle se met en poule bancaire. Et c'est vraiment un bancaire. montage financier, un pôle bancaire, on l'appelle, hmm. ou un syndicat, euh, avec un chef de file et des banques participantes, c'est quelque chose qui se fait. Euh, qui s'est fait par le passé, qui continuera à se faire pour pouvoir accompagner euh, les projets, bien sûr, euh, rentables euh, du point de vue euh, du côté investisseur et de la banque, dans le sens où l'investisseur euh, euh, générera des cash flows qui lui permettront de tirer profit et de rembourser la banque. Euh, ceci va être, euh, j'allais dire, euh, encouragé en même temps, est encouragé par les dispositions prises par l'État et depuis quelques temps sur la bonification. Vous savez, quand un client paye une charge financière de 1 ou 3%, ça lui permet d'avoir une capacité d'endettement, une capacité de remboursement plus importante. Donc ça le solvabilise davantage et ça permet aux banquiers de l'accompagner ça, puisque ça présente plus de rentabilité. Donc ça lui permet de rembourser dans un délai un peu plus court que si l'auto n'était pas bonifié. Et bien sûr, ça lui permet de générer plus de cash flow puisqu'il paye moins de charges financières. à côté, L'investisseur, avec toutes ses dispositions et ses encouragements de l'État, l'investisseur paiera moins de charges fiscales, puisqu'on a des exonérations dans le cadre des investissements dans certaines zones et pour certains projets qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'exonération en matière d'IBS et, et, et d'autres avantages fiscaux et douaniers. Euh, notamment au niveau des régions des hauts plateaux et du sud de, du pays particulièrement. Oui, euh, mais aussi par rapport à certains secteurs aussi considérés comme stratégiques. Les secteurs stratégiques par exemple, lesquels, euh... si maintenant on devait exploiter, même si euh, le, le, le dossier a été ajourné, euh, les mines Oui. C'est considéré euh, comme des grands, des, grands, des grands projets structurants surtout et stratégiques. Euh, mais aussi... mais qu'est-ce que vous entendez par les projets euh, structurants et stratégiques ben, qui, qui, qui crée de la valeur ajoutée. Mais qui... tous les projets créent de la valeur ajoutée. Je sais, mais euh, certains projets considérés comme, comme structurants. Vous avez cité les mines, mais il peut y avoir d'autres projets aussi hein, vraiment importants euh, considérés par l'État comme, comme structurants pour l'économie. Et le code des investissements prévoit des avantages fiscaux et, et douaniers très importants, ce qui les rendra plus rentables euh, du point de vue du banquier, donc qui forcera entre guillemets la main. On ne force jamais, mais Disons, qui attirera ou qui créera cette appétence chez le banquier pour aller les accompagner et les financer. Mais par rapport aux mesures prudentielles, est-ce que les mesures prudentielles prises aujourd'hui au niveau des banques sont à l'origine de blocages de certains euh, projets Est-ce qu'il y a des études mûrement réfléchies de telle sorte à financer des projets par rapport à d'autres, puisque vous dites qu'aujourd'hui, les projets à forte rentabilité sont automatiquement financés par les banques les projets rentables, bancables, bancables et rentables ne peuvent pas ne pas être financés. Mais qui doit décider que c'est bancable et rentable C'est euh, universel. La banque, c'est aussi une prise de risque. C'est une prise de risque. Et, et dans l'étude de rentabilité, euh, par définition, et, et quand on va sur les bancs d'école, on nous dit plus de risque, plus de rentabilité. Oui. Euh, avec les mesures et les équipes qui font ce travail et la formation de ces équipes et qu'il y a des structures risques qui apprécient, qui évaluent. Euh, et que ça se fait selon les standards internationaux, appréciation de la rentabilité, de la solvabilité, de la liquidité de l'entreprise pour pouvoir faire face à ses engagements. Mais les startups, c'est des... une prise de risque. Les startups, c'est un autre modèle de financement. Oui, mais, mais c'est un vraiment, prise de risque. C'est vraiment pas un financement bancaire qui est approprié. Mmh. C'est le fonds des startups qui a été créé. C'est un autre montage de, de fi financier qui est mis en place. Je parle des autres financements euh, d'investissement qui sont. ACRD, pour aller dire, euh, j'accompagne ou je n'accompagne pas tel, tel investisseur. Euh, euh, je précise qu'on n'est pas uniquement regardant, comme on nous le dit souvent, sur les aspects garantis, c'est d'abord la rentabilité du projet. Parce que le principe est le suivant, l'objectif du banquier n'étant pas d'accorder de, des crédits qui ne sont pas rentables et d'aller mettre en jeu des garanties. Ça ne rapporte rien à la banque. Généralement, c'est l'hypothèque. C'est l'hypothèque quand... Généralement, c'est le foncier. C'est le foncier parce que quand vous réalisez un projet il faut quand même se prémunir d'un risque de non-remboursement éventuel, mais c'est pas le seul risque qui est apprécié. Il y a, mais la, il y a concession... la rentabilité, la, les projections qui sont faites pour dire que ce projet, euh, théoriquement au moment de l'évaluation et de l'octroi et de la prise de décision, c'est un projet qui peut générer des cash flows à la fois pour l'investisseur, et qui pourra rembourser la banque. Donc, il tirera profit et on est vraiment dans la logique gagnant-gagnant. Mais est-ce qu'il peut y avoir de saisie quand il y a, par exemple, un système de concession qui est consacré aujourd'hui pour les investisseurs Monsieur Rachid Belaïda, il faut être détenteur la, du la, foncier. La, 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 je pense que le, le nouveau projet de loi sur la concession est, permet. Euh, C'est quand même une, 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 une information. C'est le passage importante de la concession vers la cession. À la réalisation du projet. Donc celui Même s'il réalisé... a été ajourné, pour que les auditeurs puissent comprendre. Hein. Comment euh, Le dossier sur le foncier, il a été ajourné euh, à une date ultérieure. Il a été ajourné, Monsieur le Président de la République a insisté sur des aspects importants, euh, ajourné pour, pour faire vraiment aller dans cette dynamique de flexibilité, de, de mettre en place rapidement le foncier à la disposition de l'investisseur, parce que l'OTAN c'est de l'argent. C'est pour veiller sur cette efficacité, sur cette efficacité que le Président de la République, j'imagine, a... À, à, à décider, euh, donc de, de demander un certain nombre d'améliorations à, à apporter. Mais c'est bien de le dire aujourd'hui, euh, Monsieur euh, Rachid Belaid, que le temps c'est de l'argent et assurer la flexibilité à tous les niveaux. Les banques doivent être aussi flexibles. Elles sont flexibles. Elles s'efforcent pour l'être. Elles font des efforts pour l'être. Elles forment. Elles investissent. Elles prennent en charge. Euh, elles collectent de la ressource. Euh, et elles ont intérêt. Elles le savent très bien. Euh, elles savent qu'elles ont intérêt à placer cet argent pour pouvoir rémunérer les déposants en fin d'année. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, sur ce projet de modernisation qui est en cours, qui devra aboutir d'ici 2024 pour permettre, bien sûr, à une plus grande compétitivité de notre, de nos banques sur les marchés nationaux et internationaux, puisque maintenant elles existent au niveau du continent africain et elles seront bientôt également en Europe via la France. Est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a une sorte d'équité et de transparence dans le traitement des dossiers pour éviter, bien sûr, ce qui s'est produit par le passé? où les crédits étaient euh, bien sûr accordés euh, selon euh, des critères bien sûr euh, de proximité avec euh, certains responsables. Ce fut, euh, je, précise, je précise que les décisions qui sont prises au niveau des banques, et je n'irai pas sur autre chose, je précise que les décisions qui sont prises au niveau des banques sont prises par des comités de crédit souverains, avec constitué de spécialistes chacun dans son domaine, et les décisions sont prises par ce comité-là sur la base d'un dossier sur la base d'une évaluation. L'évaluation se fait suivant les critères fixés à la fois par le régulateur de la Banque d'Algérie, mais aussi suivant des critères universels. Et les banques ont beaucoup investi sur pas mal d'aspects de formation, des équipes pour les outiller davantage euh, d'éléments de, de comment apprécier un dossier. Je pense qu'on est suffisamment, et depuis longtemps d'ailleurs, euh, capable de traiter des dossiers, d'évaluer le risque, de décider. Et je précise encore une fois que les décisions sont prises par des comités de crédit. Alors, ce Mais pourtant, il y a eu un précédent ce préjudiciable. Et aux je, ce ne sont pas des décisions individuelles au niveau des Oui, de mais il y a eu pourtant un précédent voilà. préjudiciable. Plus jamais euh, cela, c'est euh, aujourd'hui euh, le leitmotiv. Alors, euh, je voudrais revenir aussi avec vous sur un autre aspect. Aujourd'hui, on parle bien sûr de notre système bancaire, mais euh, est-ce que cette, ce système bancaire va dynamiser aussi la sphère financière, puisque la bourse entre en jeu par rapport à l'ouverture du capital des deux banques C'est-à-dire, je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire maintenant, on va dynamiser aussi par, la, par conséquence la bourse qui va Bien devoir aujourd'hui. C'est ça, sûr. Euh, la, toute la sphère financière. Euh, tout à fait. Au départ, on, on, quand vous m'avez posé la question sur l'ouverture du capital, j'avais dit que ce, si tout ça s'inscrit dans une euh, logique de réforme du secteur financier en général et du secteur bancaire en particulier, le, dans le secteur financier il y a le marché financier. J'avais même dit que le, secteur, le, le marché financier selon sa capacité à aller accompagner au financer euh, et vraiment aujourd'hui il va être euh, il va compléter ce qui se fait par le biais des banques et j'avais omis de parler des établissements financiers ça. qui sont les établissements de leasing euh, la multitude d'instruments de, de financement aujourd'hui à la disposition des opérateurs sont les établissements financiers en matière de leasing les banques en matière de financement de l'investissement donc tout investisseur peut soit s'adresser à un établissement de leasing, ils sont au nombre de 7 ou 8, qui sont en même temps filiales de banques, parfois publiques, qui, elles, ont fait l'effort de créer ces établissements financiers pour ouvrir les yeux sur un autre instrument de financement de l'économie. Ce sont les, cap les sociétés de capital investissement également. En d'autres termes, une société qui doit apporter, par exemple, 30%, mais qui n'a pas les capacités de les apporter, elle peut s'adresser à ces sociétés de capital investissement, qui peuvent aller jusqu'à 15% avec elles et elles n'auront apporté que 15%. L'entrée de ces sociétés dans le capital de, de, de ces opérateurs ou de ces entreprises qui demandent le financement va les aider à améliorer leur gouvernance, leur gestion et l'objectif n'étant pas d'être un associé éternel, l'objectif c'est de permettre à ces sociétés de démarrer et au bout de 4-5 ans elles sortent pour qu'elles puissent rentrer dans le capital d'une autre société pour euh, gérer avec elles, pour être dans son conseil d'administration, pour... À euh, améliorer la gouvernance, et, 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 etc., etc. Donc vous ah. voyez qu'il y a quand même un, un, une multitude d'instruments de, 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 de financement. Le marché financier peut être complémentaire aujourd'hui. Nous ne le considérons pas comme, comme concurrentiel. Il peut, euh, Inch'Allah, plus tard être concurrentiel. La concurrence n'a jamais été une mauvaise chose. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, quelle est l'interaction entre le marché boursier et la croissance économique Ça va de pair euh, oui, puisque le marché financier, c'est aussi un acteur de, du financement de l'économie. Il donc pourra aussi parle... résorber euh, l'argent de l'informel. Bien sûr, bien sûr. L'objectif de, de l'ouverture du capital ou de l'émission en même temps d'obligations, parce que ce n'est pas le, le, seul, le seul instrument. Hein. Les, les entreprises peuvent émettre euh, aussi des, des, des emprunts obligataires. Ça s'est fait par le passé, donc par les entreprises publiques et privées. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui permet à l'entreprise de se faire financer. Donc euh, voilà, c'est. Euh... Soit par le crédit bancaire, soit par le, le marché financier. Alors, est-ce que le marché parallèle aujourd'hui peut être peut constituer à l'avenir aussi euh, une entrave au développement de notre euh, système euh, bancaire également C'est la question de l'auditeur, puisqu'on a mis en place des mécanismes pour la résorption de ce marché informel, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. Aujourd'hui, on est en train de revoir les dispositions pour essayer de capter l'argent de l'informel. Capter l'argent de l'informel, je pense quand on lit le communiqué du Conseil des ministres, le M. le Président de la République il est revenu sur le rôle des banques pour capter l'argent de l'informel. Je précise que les banques euh, sont un acteur important, mais pas le seul aussi. Euh, donc, les banques travaillent sur ça. Euh, en ce qui nous concerne au niveau de notre association, euh, nous avons été instruits donc, par le monsieur le ministre des Finances pour essayer d'aller travailler sur ce qu'on appelle un programme national d'éducation financière. On ira expliquer avec nos amis des impôts, avec nos amis de la bourse, avec... Euh, les, 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 les banquiers, euh, on est en train de construire, on l'a finalisé, on a commencé par les universités, on ira aux jeunes, aux moins jeunes, on ira vers les commerçants, on ira vers les opérateurs économiques pour inculquer cette culture financière, pour montrer que le banquier, c'est son accompagnateur, ce n'est pas quelqu'un qui viendra voler son argent, c'est celui qui lui permet de déposer son argent, de le fructifier, de, de le laisser en toute sécurité et de, que le banquier est là en même temps pour... De, pour l'accompagner dans le financement de ses projets, pour se moderniser, pour s'équiper, pour améliorer la production, pour faire son extension. Mais comment Donc vous allez cette... faire Comment vous allez procéder Et comment, nous, comment on va au -delà procéder Au-delà de cette éducation financière. Euh, c'est déjà... Concrètement, comment on le résorber euh, Comment on le résorber c 2015, par... c'était une expérience ratée. Aujourd'hui, est-ce qu'on euh, est dans une les autre banques, vision Les banques travaillent sur pas mal d'aspects. C'est les aspects, alors, pour les, les aspects d'inclusion financière, sont la... j'allais dire, ou les vecteurs d'inclusion financière, c'est la digitalisation, c'est des chantiers qui sont lancés, qui avancent très bien. C'est euh, un autre vecteur qui est celui de la finance islamique, et j'en ai pas parlé, mais il y a aujourd'hui 12 banques qui font de la finance islamique, il y a plus de 600 guichets, il y a des produits qui sont proposés aux au clients. Donc, on innove, on essaie d'être de, 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 plus agressif. Les banques seront appelées certainement, elles sont déjà appelées à, à, à travers à, donc les autorités, mais pas seulement, hein, à être plus agressif dans la collecte de ressources, à, à aller chercher des clients, à convaincre, à. à à essayer d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui pour capter toute cette manne qui effectivement peut apporter un plus. À, ça commence à donner des résultats Ça commence à donner des résultats. Les, 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 la collecte des dépôts est en hausse au niveau des banques. Elle est de quelle hauteur euh, Les dépôts aujourd'hui, alors au, au 30 juin, euh, on est quand même sur euh, un total de 23 millions de comptes euh, au niveau de la place bancaire, avec un total dépôt de plus de. Euh, 12 000 milliards de dinars. Donc, euh, c'est en, en, en évolution constante d'un semestre à un autre, puisque nous, euh, nous consolidons les statistiques qu'on demande aux, aux collègues banquiers euh, chaque semestre avec des... et on constate cette évolution. Nous, je précise que euh, nous transmettons ces états consolidés aux banques pour que chaque banque puisse savoir quelle est sa part de marché et pour vraiment essayer de créer cette concurrence et inciter les banques à, à aller de l'avant et à collecter plus de ressources, à faire plus de crédits. Alors justement, pour collecter plus de ressources, euh, donner plus de crédits, le crédit à la consommation pour l'achat de véhicules importés aujourd'hui, est-ce que cela pourrait être envisagé dans le futur par les banques, même si nous savons que euh, cette décision est assujettie à un réaménagement du décret qui a été institué pour la, le crédit à la consommation qui stipule que seuls les véhicules fabriqués localement, c'est-à-dire le montage local, euh, euh, c'est-à-dire euh, accessible, euh, sont éligibles au crédit à la consommation. Je peux, vous vous l'avez si bien dit. Hein, il faut le... réaménager le crédit, euh, euh, l'arrêté décr... Éventuellement, euh, mais quand on, on voit l'exposé des motifs, le, le pourquoi de, de cet arrêté, c'est pour dire qu'il faut encourager la production nationale. Oui, mais il a été euh, euh, mis en place. Encourager la production pour Renault, nationale Il faut le dire, il a été mis en place pour favoriser l'achat du véhicule Renault qui était en montage en Algérie. Euh, pour les autres produits, euh, c'est n'est pas Renault qui les fabrique. Mm. Euh, L'électroménager et. et... Et, et, et les meubles, et, et, etc., c'est par nous qui les fabriquons. Bon, je n'ai pas la prétention de faire de la publicité pour X ou, ou Y, mais l'objectif était, euh, à un certain moment, de dire, pour encourager la production nationale, on va accompagner les consommateurs, qui sont effectivement des, les consommateurs de ces produits, pour les solvabiliser. On met en place euh, des crédits qui leur permettent d'acquérir, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, ceux qui ont un revenu... J'allais dire classe modeste, moyenne. classe voilà. moyenne, ils vont pouvoir s'équiper. Euh, tout comme ils, ils sont accompagnés pour acheter un logement avec la bonification du taux d'intérêt. Donc, ouvrir cet arrêté, est-ce qu'on est, qu on est euh, euh, ou pas, est-ce qu'il faut le faire euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les banques sont prêtes pour faire les crédits à la consommation crédit véhicule. Elles le font pour les autres produits. C'est le même produit, c'est plus simple pour un banquier. Euh, c'est plus rapide puisqu'il n'y a pas d'inscription d'hypothèque ou il y a pas une étape qu'on qu n'accomplit pas. Les équipes sont formées, les, les procédures existent et c'est paramétré sur les systèmes d'information. Donc dès que c'est possible de le faire, les banques sont prêtes pour accompagner, bien sûr en tenant compte de la capacité d'endettement d'un ménage parce que sont le, surendettement, le surendettement, voilà. c'est quand même un, un volet qui est important dont le banquier doit tenir compte. On ne peut pas aller à la il y a la de banque de données qui de... permet de connaître un peu le niveau du surendettement. Alors, euh, oui. au delà bien sûr des beaux discours, rapidement sur la question de l'auditeur, euh, la réalité de traitement des dossiers d'investissement est une torture pour les opérateurs, car il faut quand même dire que ceux qui traitent les dossiers doivent faire un certain effort. Il faut de la plus de célérité, rapidité dans les traitements des dossiers d'investissement quand vous avez des investissements nationaux aussi étrangers, vous ne les investissez pas, vous les financez pas, ils partent ailleurs. Et je, je l'avais dit tout à l'heure, euh, le temps c'est de l'argent. Monsieur je plait. suis entièrement d'accord. Alors, je précise. Euh, Rapidement, s'il vous plaît. Je plait. précise que le, le traitement d'un dossier, euh, un dossier recevable en la forme, hein, pas déposer une demande avec, euh, avec euh, l'intention d'investir que le dossier peut être traité. Donc, euh, on fait le montage du dossier. Euh, une fois que le dossier est recevable en la forme, il y a le compteur qui commence à... Décompter le, le temps, le Normalement, temps 30 qui, jours. Euh, qui peut aller jusqu'à 30 jours. 30 jours, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, euh, qu'il faut attendre 30 jours pour le faire. Les banques ont bien compris que sur les dossiers qui ne nécessitent pas 30 jours, elles le font rapidement. Je vous explique pourquoi. Parce que plus vite vous montez un dossier, plus vite vous accordez, plus vite vous commencez à mobiliser ce crédit, et plus vite vous allez commencer à tirer profit. Le laisser dans un tiroir. Ils le font pas, ils n'ont pas intérêt à le faire. Euh, L'autorité rapidement, c'est vraiment commencer à tirer profit parce que la banque c'est pas une association de bienfaisance. Voilà. Alors euh, autre question rapidement, ouvrez les registres de doléances au niveau de toutes les structures bancaires et surtout consultez-les et apportez des réponses. Il faut le faire puisque le président il a insisté. Les de à Améliorer existe. les prestations les, en direction les, du citoyen. Oui, euh, les registres de, 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 de doléances, les les. J'allais dire les, les sites des banques, les, les pages Facebook des banques. Les banques ils ont, ont, ont des équipes qui travaillent sur toutes les remarques et qui, et qui, qui sont faites par la clientèle. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. La critique des clients nous permet d'avancer. Euh, euh, vraiment prendre la chose comme ça. Un client qui se plaint est un client qui tient à sa banque. La banque a intérêt à, 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 à j'allais dire, à rectifier ce qu'elle n'a pas fait bien. Pour pouvoir capter plus de clients. Alors, par rapport à la question de la monétique, justement, la résorption du cash euh, du marché national, est-ce que les banques pourraient financer aussi les TPE au profit des commerçants avec, bien sûr, euh, des rémunérations attractives Parce que les je banques précise, vivent avec euh, un peu la je rémunération. Précise, je précise que les TPE qui sont installées jusqu'à aujourd'hui sont offerts gratuitement au commerce. Alors, autre question et la dernière la Banque du logement va jouer un grand rôle euh, par rapport au projet de loi de finances qui inscrit quand même l'équivalent de 54%. Des budgets d'équipement au profit du secteur de l'habitat. Si la Banque de l'habitat a été créée, c'est pour qu'elle puisse jouer ce rôle. Et elle jouera un grand rôle. Elle jouera un grand rôle. Pour à la côté relance des... aussi du marché aujourd'hui de la construction, quand le bâtiment va, bien tout sûr, va. Bien sûr, et Construction derrière, et travaux publics. Et derrière la construction, il y a tous les intervenants et tous ceux qui fournissent les matériaux de construction. Donc c'est toute la chaîne de valeur. Hein, vous comprenez qui va aussi. dynamiser. Voilà. Monsieur Rachid Belay, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.